titulaire ici sur l'année de mer. Et maintenant, c'est Raymond Narac et Mathieu Dossi. Équipage numéro 202 au volant de cette Porsche 911 Carrera RS. Quelques années en arrière avec ces superbes voitures, notamment cette Porsche Carrera et monsieur Dossi, Porsche 911 Carrera RS. Ensuite, une autre Porsche 924 Carrera GT, numéro 203 avec Jean-Marc Pussolini et Patricia. Départ pour Jean-Marc et Patricia Mussolini sur leur Porsche 924 numéro 203. Aussi son époque, son style de pilotage, style remarquable aussi dans les spéciales chronométrées, comme cette Ford Mk1 RS 2000, numéro 204, celle de Bertrand Penay et Anne. Porsche, celle du numéro 205, Julien Pussolini et Hélène Cassolo. Victoire ici au rallye de la Côte-Fleurie pour la 48e édition du Nom. Et voilà, c'est vraiment un but ou un objectif du moins qu'ils se sont donné. Et bien nous retrouvons l'équipage au rallye de Pont-l'Évêque, l'équipage Pierre Rague et Julien Pesanti. Numéro 4, Epic et Marie-Laure Lemonnier sur une 206 WRC. 206, bien sûr, que l'on connaît bien, qu'il a à ses mains depuis plusieurs années. Elle a quelques rallyes, cette 206, aux mains de Pic. Et à ses côtés, Marie-Laure, le championnat de France à Antibes et au cœur de France. Hervé Knapic, Marie-Laure Lavenier, le conseil numéro 4. Cette superbe 206 WRC. Bruno Ridolé et Steve à ses côtés. Terminé la première.
nous avons un premier chrono donc pour Eric Brunson, Cédric Mondon en 2:54.3. On l'entend ? Ah, c'est en fait, hein. J'ai des baisses de, je sais pas, il descend d'un seul coup, je sais pas pourquoi. Des interférences au changement. Voilà, numéro 8, c'est Sébastien Ling et Alain Ruiz qui vient de prendre le départ. Sébastien Ling qui a terminé 6e l'année dernière ici même au rallye de la Côte Fleurie, 4e et chez moi. Et un abandon avec Alain Ruiz. Rocher et Martine Rocher. Pierre Rocher, toi j'ai plus là. Un deux. Sur une Ford Fiesta en R5. Vous aviez la Meunier qui a l'année dernière ici devant le monde à Lisieux. Ensuite, a participé au cœur de France, 5e à La Rochelle, 2e à Pont-l'Évêque, et là, a changé de monture, puisqu'on le voit ici, la seule relais de la Côte-Fleurie, Ford Fiesta. Et juste derrière lui, eh bien, ce sera Eddy Lemaître et Ludovic Coupé, qu'on retrouve sur une Skoda Fabia, toujours dans le groupe et la classe R5. Et l'année dernière, elle a évolué sur une Peugeot 207 S2000 avec Épernay avait fait 10e, 3e à la Suisse Normande, 6e au vin de Chinon, 8e à Lisieux, 16e au cœur de France, l'équipage numéro 11, Eddy Lemaître, Ludovic Coupé. Numéro 12, Guy Motard et Anthony Mariani sur le Skoda Fabia. T'as vu, elle a fait un truc, elle a... Ouais, ils sont pas d'ici, hein, tous ces gens-là. Guy Motard, eh bien, plus côté sud. Le 6e au scratch, au rallye de Haute-Provence. Ils ont abandonné au rallye de Paris Parfum. Ils ont terminé de Macon. L'équipage numéro 12, Guy Motard, Anthony Mariani. Ça y va, hein. 14, j'ai bien retrouvé qu'un seul résultat pour Nicolas Dupont. Nicolas Dupont et Michael Fesquet, eux aussi sur une Skoda Fabia. Qui ont terminé l'an passé. Ce sera 6e de groupe, 4e de place pour Nicolas Dupont et Michael Fesquet. Il s'en sera terminé. Voiture de groupe et la classe R5. Pour ensuite passer, il se retrouve un petit peu seul en. Thank you.
Voilà des oreilles et Philippe contentin. Le meilleur temps réalisé par Pierre Hague et Julien Faisanti en 2,51,7, ensuite Pierre Rocher en 2,51,9, Eric Bronson en 2,54,3, quatrième Hervé Knapik en 2,57,2, cinquième Xavier Lemenier en 2,57,0, sixième Sébastien Ling en 3. La place 10 et les voitures de plus de 2 litres le cylindre. Donc le 3-0-6 Arnaud Bacheret en 3-0-6-9, Michel Nourry en 3-0-6-9 en général. Juste le temps pour moi de revenir sur le résultat et bien des concurrents qui sont sur le départ. Qui l'emmène et il a été là, son première découverte avec cette auto, c'est en Omega. Ensuite, gros travail sur la voiture. Bon résultat avec le troisième de groupe, au deuxième de classe à Lisieux. Premier de groupe, première classe au boucle de Seine. En avant, on a terminé deux. Tous ces résultats cette année dans le cadre des certains dans le cadre de championnat de France. Je vous laisse écouter. 20 mètres gauche, 4 mètres 10 pour voile. 30 mètres gauche autour rond-point. 30 mètres frein pour gauche 70. Allez, 30 mètres gauche 90 aux épis sur moi. Pour gauche 110. Pour gauche 110. Et 30 mètres frein gauche 60 aux deuxième fois qu'on passe devant le départ. Allez, 30 mètres gauche 70. Et 30 mètres gauche 90 sur mon point. Pour gauche 90. Troisième fois. Entre gauche 90 sur voie droite, pour voie droite. Allez, 80 mètres. Frein gauche 60 autour Pierre Plein. Derrière l'autre, mais bah, par contre, maintenant, bah, il sert la voie, quoi. Bah, c'est sympa. C'est sympa pour vous. Voilà. Alors, il y en a un qui avait terminé son. C'est Pierre Rague, Michel Rocher et Eric Bronson dans le premier crédité d'un temps de 2,57.
Eric Bronson qui se situe à 2 secondes 6 de Marc. Voilà pour le podium provisoire qui, je pense, sincèrement, ne devrait de ligne de départ, Christophe Vauve et Erika. Erika Vauve. Deuxième de classe, Aurélie Dubocage. Toutes les voitures ont 600. Et on est par numéro 53. Deuxième de classe au Basse-Normandie, deuxième de classe à Saint-Germain, deuxième de classe au Bocage, le départ, l'équipage est numéro 53, numéro 54, un petit peu moins, donc en 2017, bon, pour autant, il a terminé première de classe au boucle de 7, 55 au départ, Gaëtan Bernard. Deuxième de classe aux routes du Nord, à l'abandon au rallye du Touquet. Première classe aux routes Picardes, première classe aux Boulonnais, à l'abandon au vêtu noir. Deuxième de classe en Vermeux, deuxième de classe en Picardie, l'équipage numéro 55. Baptiste. Une année vraiment sympathique, il a terminé première classe à l'assistant, et deuxième de classe à Pont-l'Évêque, le 57, page numéro 57, Philippe Levillon et Laurent Guicheux, numéro 58, et là les copains vont me confirmer, c'est bien, on a le micro embarqué. On va avoir le micro embarqué. Départ dans quelques instants, numéro 58, Alexis. Je vous laisse avec eux. Thank you.